Alors, appartement à vendre, lieu imprenable, calme, certifié par une échec, 1 500 000 euros. Oui, mais oui, c'est vendu, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vont se parler de nos poches, à parler dans leurs poches. Ils arrivent à s'acheter ces trucs-là. Hein. Bien entendu. Hein. Vas-y, vas-y, ce que tu disais là. Non, mais ça. Les quand même. Oui, oui, donc nous on se bat pour un monde meilleur, une meilleure répartition des richesses, à égalité entre tout le monde, et bien eux ils se battent pour garder ça. Ce qu'on voit autour de nous, voilà, ça c'est ça qui les motive. C'est de rester égoïstes dans leur coin, à jouir de ça, voilà, qu'ils vont gagner sur le plateau, bien entendu, ainsi que sur le dos des Africains et tous ces pays ex-coloniaux qui sont toujours colonisés sous la forme de la dette. Voilà. Mais j'accepte le débat, vas-y. C'est pas vrai, il y a des écoles de la République aussi dans le quartier. Ah mais il y a les écoles de la République avec des professeurs et des instituteurs et des institutrices payés par nos impôts, bien entendu. Bien entendu. Ils ne sont pas payés plus cher. Donc eux, ils bénéficient des impôts qu'on paye, qui payent les salaires de leurs professeurs, etc. Et moi, je suis un ancien de Total, ingénieur des mines, etc. On me proposait d'ouvrir un compte en banque offshore pour que Total, la filiale en Suisse, me paye